Bonjour, je suis François Blais, doyen de la Faculté des sciences sociales. On m'a demandé aujourd'hui de témoigner de mon passage ici comme étudiant à la faculté. Je dois dire tout d'abord que j'ai été étudiant au début des années 80. J'étais à ce moment-là inscrit au baccalauréat en services sociaux. Qu'est-ce que je retiens de ce passage? Beaucoup de choses. Mais deux éléments m'ont particulièrement marqué pour la suite des choses. Tout d'abord, mes stages à la Direction de la protection de la jeunesse, mes stages aussi à l'Association des travailleurs immigrants de Québec. Pour moi, c'était un premier contact avec le monde du travail, avec sa réalité, sa complexité, l'importance de trouver des solutions pratiques aussi à la condition humaine. Le deuxième élément qui m'a marqué dans ma formation, c'est le fait qu'à l'intérieur de cette formation, on accordait une place importante à la réflexion politique sur les problèmes sociaux et sur la façon de résoudre ou de diminuer l'impact de ces problèmes sociaux, donc les politiques sociales. Ça a été à ce point important dans mon cas que j'ai poursuivi mes études à la maîtrise, au doctorat, en philosophie politique. Après un long détour, je suis revenu à la Faculté des sciences sociales en 1992, cette fois-ci comme professeur au département de sciences politiques. Jamais, jamais, je n'aurais pu penser, à l'époque où j'étais étudiant ici, qu'un jour je deviendrais doyen de cette faculté. À tous nos diplômés, ils sont à peu près 34 000 aujourd'hui. À tous nos étudiants, nous en avons 5 000. Aux anciens membres du personnel administratif, à ceux qui travaillent encore avec nous aujourd'hui, à nos professeurs, aux chargés de cours, je souhaite un excellent anniversaire. Longue vie à la Faculté des sciences sociales.